Bonjour Sally, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice, une étude de fonction. La partie 1, on considère la fonction g définie par sur 0 est infini par g de x est égal à x au carré moins 2 ln de x. La première question, calculer g prime de x pour tout x appartient à 0 est infini et dresser le tableau de variation de g. Deuxièmement, en déduire que le signe de g de x sur 0 est infini. Bon, correction. On a g de x est égal à x au carré moins 2 ln de x avec x appartenant à 0 plus l'infini. Donc g prime de x est égal à 2x moins 2. La dérivée de ln de x est 1 sur x est égal à 2x au carré moins 2 sur x au carré, x bien sûr. On a normalement de 2x au carré moins 2 sur x est égal 2 facteurs de x au carré moins 1 sur x est égal 2 facteurs de x plus 1 facteurs de x moins 1 de tout sur x. Donc g prime de x est égal, quel que soit x, bien sûr, quel que soit x, appartient à 0, plus l'infini. D'accord? On a x positive et x plus 1 positive. X positive et x plus 1 positive, 2 positives, donc le signe de g prime de x et le signe de x moins 1. Donc, le signe de g prime de x et le signe est le même signe que le signe de x moins 1. Ok? On a x moins 1 est égal à 0, équivaut à x est égal à 1. Table de variation, on a x, g prime de x, g de x. Domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. X moins 1 s'annule au point 1. Équation de premier degré, à droite de 1, le signe de a qui est positif, à gauche le signe de moins a, c'est-à-dire c'est le contraire de A. On a G prime négatif, donc la fonction est décroissante. Ici la fonction G prime est positive, donc la fonction G est croissante. Les limites, pas de problème. Ici G de 1. On a G de X. C'est égal à X au carré moins 2 ln de X. Donc G de 1. 1 au carré c'est 1. Ln de 1 c'est 0. Donc G de 1 est égal à 1. La deuxième question, le signe de g de x. On a le point 1, c'est une valeur minimale. Pourquoi? La fonction est décroissante. Oui, croissante. Il donne à dire qu'ima donnée, à sar qu'ima yadi. Donc, on a 1 et une valeur minimale. Minimal, absolu, je suis en train de la valeur minimale sur 0, plus l'infini, absolu. Donc, g de x supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, à sa prime, il y a 1. G de x supérieur à 1, quel que soit x appartient à 0, plus l'infini. Donc, donc, g de x, puisqu'il est supérieur à 1, donc il est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à 0, plus
L'inspect. D'accord, ok. La deuxième question, deuxième partie, pardon. On a f de x est égal x sur 2, je pense x sur 2, plus 1 plus ln de x sur x. Quel que soit x appartient à 0 plus infini. La fonction f est définie sur 0 plus infini. La première question, calcule limite x tend vers 0 plus f de x et interpréter géométriquement ce résultat. Ok? Dans un sous limite, on a le lien de 1. Et où est l'indice? Limite x tend vers 0 plus f de x. On a atteint 0. X sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. On a 0. On a 1. La limite de ln de x, c'est moins l'infini. Moins l'infini, c'est 0 plus, c'est moins l'infini. Ok? Moins l'infini. Car limite x tend vers 0 plus de x sur 2 est égal à 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 plus, elle est mettre 3 par encore et dérouler 1 sur x. Ça va être 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, pour moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc limite 0 plus est égal à moins l'infini. Donc on a trouvé une interprétation géométrique, je vois, non? Interprétation géométrique. Interprétation géométrique. Géométrique. Bien, je dirais deux résultats. En gros, on a limite x tend vers 0 plus de f de x est égal à moins l'infini. Donc, la courbe CF. Dans la courbe voir CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Toujours, lorsque limite x tend vers A, le f de x est égal à l'infini, x est égal à A, c'est un asymptote. C'est f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à A. X est où l'adad, attendez l'infini, x est où l'adad, moukarib amoudi, qui est une asymptote verticale. Ok? C'est la première question, la deuxième question. Calcule limite x tend vers plus l'infini de f de x, B montre que la droite d'équation y est égal à x sur 2, il tient asymptote à CF, bien sûr, au voisinage de l'instant final. On dirait le deuxième mot. Hein? Limite x tend vers l'instant fini de f de x est égal à limite x tend vers l'instant fini de x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. Voilà, on a ce mot. Calcul direct, on a un plus l'infini, on a plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, forme indéterminée. Donc, sans changer, on est critère de f de x. On a dit ça, oui. On a dit x sur 2, pas de problème. On a rendu 1 sur x, plus 1 sur x, plus ln de x sur x. Ok? On a donné une ligne x tombe à la directement. On a dit 0. 0. Plus l'infini sur 2, c'est plus l'infini. On dirait au flèche, car la chatte n'est plus l'infini, car limite x tend vers plus l'infini de x sur 2 est égal à plus l'infini et la limite x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0. Voilà, j'ai mon chiffre.
un nombre surplus l'infini, zéro. Tu fais hash chinois. Et le standard plus l'infini de ln de x, la x est la dernière propriété, c'est 0. Nous avons la question numéro 1, la question B. Montrer que la droite delta d'équation y est égale à x sur 2 est une asymptote ACF. Donc, le sous-air montre que la limite x tend vers plus l'infini de f de x moins y, c'est-à-dire moins x sur 2. Il met à une asymptote. Ça montre que la limite est 0. Mais il met à une y égale à x plus b. Asymptote. La barre oblique de asymptote. C'est montrer la limite x tend vers l'infini, plus l'infini, de f de x moins ax. Plus b est égal à 0. Si nous avons bien y sur ax est bien asymptote, bien sûr oblique, c'est la limite de la différence f de x moins ax plus b est égal à 0. On a atteint y est égal à x sur 2 asymptote, donc c'est montrer la limite f de x moins x sur 2 est égal à 0. On a. Pardon. On a limite x tend vers plus l'infini de f de x moins x sur 2 est égal à limite x tend vers plus l'infini de x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x moins x sur 2. On a le chère là. On a la somme directement entre la plus l'infini et la plus l'infini. Forme indéterminée, on va le traquer en train de dire 1 sur x. Plus ln de x sur x est égal à 0 par limite x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0 et limite x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Donc, montrez-nous donc CF. Admet une asymptote ou admet la droite d'équation. Admet la droite delta d'équation y est égal à x sur 2 comme asymptote ou l'asymptote au voisinage de plus l'infini, bien sûr. La marque voie de la plus l'infini. Voisinage, bien sûr, de plus l'infini. Donc, la question c'est déterminer la position de CF par rapport à delta. Dis-moi, fais-moi, on a déterminé la position de CF par rapport à delta. Par une alpha CF au-dessus ou là, au-dessous de delta. Dans ce cas, étudiant. Étudions le signe de. Maintenant, on a la position initiale de CF et delta. On étudie le signe de f de x moins l'équation de la droite, c'est-à-dire moins y. Et moins y sur 2. Étudions le signe de f de x moins x sur 2. On a. On a, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f de x moins x sur 2 est égal à 1 plus ln de x sur x. On va faire maintenant, f de x moins x sur 2, il doit être la limite. Il doit prendre 1 plus ln de x sur x. On a x positif. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, le signe de f de x de f de x moins x sur 2
Et celui d'Herman dit 1 plus L indu X, c'est un dot positif. Donc il a quand focané positif, je suis positif, quand focané négatif, le tout est négatif. Il y a le signe de l'HCAM, le signe de 1 plus et le signe de 1 plus L indu X. Dans la quand on dit 1 plus L indu X est égal à 0, c'est une équation qui vaut à L indu X est égal à moins 1. Qui voit x égal à l'exponentielle moins 1 ou 1 sur e. La même chose, on a qu'un duro super strict. L'inférieur strictement. On dirait super strict moins 1. Quand on a équivalence, on a un duro quar au sol. On dit l'équivalent L de x par moins 1. Équivalent x supérieur à e plus moins 1. E plus moins 1 ou 1 sur e. La même d'euro inférieur, c'est équivalent. Et toi, le chassis, il y a qu'un P ou KFI Q, non P équivalent à non Q. Adn 1 plus L indu X supérieur à 0 équivalent X supérieur à 1 sur E. La négation de l'hadi inférieur équivalent à la négation de l'hadi inférieur. Donc, la même d'euro, c'est la même d'euro qui veut dire supérieur inférieur. Non, c'est une équivalence. Dans la même d'euro, d'abord le signe. Okay. On va rendre le signe, donc on va dire x f de x moins y, c'est-à-dire moins x sur 2. On va rendre 0, l'objet n'a dit 1 là, d'amène 0 plus l'infini. On a la position de CF par rapport à delta. On a F de M plus L de X s'aligne au point 1 sur E, ou la E plus moins 1, c'est la même chose. On a M plus L de X positif si X est supérieur à 1 sur E, la positive, on a négatif. Donc, on a f de x moins x sur 2 négatif. Est-ce que tu as dit on a f de x négatif. On a f de x, ça rend x sur 2. On a ce qu'on a le plus grand. Voilà, on a le mettre le delta. Voilà, on a le mettre le CF. Et dans le delta, au-dessus de CF. Ou le CF, tu as le delta. Et le CF, CF est au dessous, يعني تحت de delta. Ok, هنا عندنا positif 1 plus l'infini, يعني f de x supérieur, يعني cf fois delta, يعني cf au-dessus. Donc on va dire هنا cf est au-dessus de delta. يعني فوق دلتا. هنا اش كيوقع السي اف؟ غادي نديرو هنا كاع السي اف كوب كيقطع دلتا هنا. ولكن اش عندي؟ عندي غير لابسيس، عندي غير افصول خاصني نأرطو. غنكتبو هنا السي اف، نديرو هنا السي اف كوب دلتا au point A E moins 1 ou l'abscisse. Il a besoin de l'ordonner soit sur F de E moins 1 soit sur Y. Y chale ou X sur 2 quand on a de E moins X, n'a de E moins 1 sur X, n'a de E moins 1. Dans notre cas, dans le malheur, on peut faire حيت هذيك هاد النقطة هي الانترسكسيون. إذا سوا لوردوني سوا حسبتو إف سوا حسبتو إيكغيك. ومن الأحسن نحسبو إيكغيك وضو إكس هي أو إس موان زان، تبقى أو بارابيسونس موان زان سير دو. أوكي،
Pour une deuxième autre question, la troisième question montre f' de x est égal à g de x pour tout x appartient à 0 et l'infini. Troisième question. On a, quel que soit x appartient à 0 et l'infini, f' de x est égal à x sur 2 plus 1 plus ln de x de tout sur x quoi prime. Est égal à la dérivée de x sur 2, il y a 1 demi. Là, je la dérivée de ax, il y a a. Plus, la dérivée de y v, il y a de x, sur v de x, de tout prime, est égal à le dénominateur au carré, numérateur prime, fois dénominateur le prime, moins. Alors, on a dit quand I prime ou U, on a dit quand V ou V prime. C'est ce qu'on peut faire. C'est égal. On a dit la dérivée de la 1 demi, la dérivée de la AX ou A. On a dit 1 demi X. La dérivée de la 1 demi, elle est de la 1. On a dit X au carré. On a dit X au carré. On a 1 plus ln de X. Le tout prime, prime fois x moins 1 plus ln de x fois x prime. Okay. Donc f prime de x est égal, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f prime de x est égal, maintenant 1 demi, plus on a x au carré. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de ln de x, ln de x prime, ou 1 sur x. Multiplié par x. Moins 1 plus ln de x. La dérivée de x, c'est 1. OK. C'est égal à 1 demi. Plus 1 sur x fois x c'est 1. Et on a pas de x au carré. 1 sur x fois x c'est 1. Moins 1. Moins ln de x. On a 1 à l'échelle de 1. On a 1 demi. On a qu'il plus ou moins. Il donne moins ln de x. Sur x au carré. On réduit au moins dénominateur. Il y a 1 demi. On a 2x au carré. On a x au carré. X au carré fois 1 sur x au carré moins 2x, 2 ln de x. On a g de x, quand on a g de x, il y a x au carré moins 2 ln de x. On a g de x sur 2x au carré. Ouais, on a dit que g de x. Genre l'exercice, on a montré que si tu as 2x au carré, la troisième question, je répète, la troisième question qui me faute. Troisième question. Montrer que f' de x est égal à g de x sur 2x au carré. Et donc, la question 3, c'est quoi la question de la question. Donc, on a dit g de x est écrit là. Et g de x est ici, sur 2x au carré, car g de x est égal à x au carré moins 2x, 2 ln de x. C'est la partie 1, g de x est ici. Ok? Maintenant, montrez-nous que f' est ici. D'abord, s'adresser au tableau de variation de f. Tableau de variation facile. Donc, f' de x est égal à g de x sur 2. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x est égal à g de x sur 2x au carré. Table de variation, on a g de x supérieur à 0. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini.
D'après la question, je pense de la question, d'après la question de grand A, pour la partie grand A. Et de x au carré, c'est plus à 0, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, f' de x est positif. Dans la fonction est strictement croissante. Donc, on dirait au tableau de variation, x, f' de x, ici c'est f de x. Le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. La fonction f' est toujours positive, donc la fonction est croissante. Limite 1, 0 plus, c'est bien au moins l'infini. Limite 1 plus l'infini plus l'infini. On fait de votre table de variation. La quatrième question. Écrire l'équation de la tangente à T à CF au point d'abscisse 1. On a, en général, y est égal à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Donc, elle doit T, elle doit la tangente. Donc, T, y ou f' est atteint au point d'abscisse 1. A, il est au nombre 1. F' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. OK? Donc, y est égal. F' de 1, puis tu as soit f' de x. Et là, soit là, f' de 1. Et g de 1 sur 2 fois 1 au carré. On a g de 1. Déjà, on a g de 1 ou 1 au carré. Et n de 1 au 0. Donc, on a 1. On a 2. F de 1. Puis on a soit f de x. Et x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x, d'accord? Donc f de 1, dis-moi, appelons, f'. F' de 1, c'est quoi f' de x? F' de 1, il y a g de 1, g de 2 plus 2 fois 1 au carré. F de 1, c'est quoi f de x? On remplace x par 1. Donc f de 1, voilà, on a f de 1 ou 1/2. Ln de 1 ou 0 sur 1 là, parce que 1/2 plus 1 il y a 3/2. Donc, ça fait 0 maintenant. F' de 1, 0 ou 1/2, facteur de x moins 1, plus f de 1, chal, f de 1 il y a 3/2. Ça fait une squashie. Donc, y, t, l'équation de y, nous serons là, on développe 1/2 fois x, moins 1/2 fois 1, 1/2 fois moins 1, c'est moins 1/2, plus 3/2, y, ou 1/2 x, moins 1/2 plus 3/2, c'est 1. C'est-à-dire, t. La tangente T a pour équation y est égal à 1/2 x plus 1. D'accord? C'est un exercice. Cinquièmement, A. Cinquième question. A. Montrer que l'équation f de x est égal à 0 admet une solution unique alpha telle que alpha compris entre 1 sur alpha au carré plus 1. Maintenant, on fait appel au théorème des valeurs intermédiaires. On a f de x, mais de chenille, x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. Sur la valeur intermédiaire, je fais. Puis, on a la continuité. On a les fonctions dans la fonction lourde x et continue. Sur, par qu'on a l'intervalle 1 au carré, 0, non? 1, c'est une fonction polynôme. Fonction
polynôme de la houdoudia et la fonction x vers ln de x est continue sur 1 sur e au carré 1 fonction usuelle à dit marovani fonction usuelle et voilà usuelle vers la tia dire par la fonction t x x tend vers a x tend vers x continue théa sur 1 sur au carré 1 LH fonction pour les lentilles je veux dire elle donne la fonction continue ln de compte ln de x continue ln de x plus 1 continue et donne très quotient 1 plus ln de x sur x continue elle est continue elle est continue la somme de fonctions continue et est continue. On dirait donc f est continue car f c'était donc f est continue sur on a déjà ce qu'on peut voir tu vois là qu'on peut faire avec une fraction comme ça normalement alors on a la fonction continue. Alors la fonction ln continue, ln de x continue plus 1 va être continue. Va être continue. Quotient de fonction continue est continue. Va être continue, la somme de fonction continue est continue. D'accord? Je vais donner la continue, c'est ce que c'est. Puis je vais montrer la solution. Faites l'intervalle. C'est A. F de 1. C'est pour l'eau, la salle. F de 1 شحال عندنا ln de 1 c'est 0 0 c'est 1 f de 1 c'est 3 demi c'est bien déjà on va bien نحسبو hey f de 1 sur e au carré on نحسبو هنا f de 1 sur e au carré نحسبو 1 sur e au carré نحسبو بحال كوب جينا شويه pardon 1 sur e au carré sur 2 plus 1 plus ln de 1 sur e au carré le tout sur e au carré est égal à 1 sur 2 au carré ok 1 plus moins ln de e au carré alors pourquoi عندنا خاصي عندنا ln دو ان سير ا و موان ln دو ا اذا عندنا ln دو ان سير او كاري يا موان ln دير او كاري ln دير او كاري ديرو هنا كاع ماشي مشكل بليس ان تحت سير او كاري باردون عندنا ln دير ا سير ا على بيسونس ار هي ار ln دو ا اذا هي 2 ln de e sur e au carré. Donc, c'est égal à 1 sur 2 au carré moins le plus ln de e, c'est 1. Le 1 moins 2. Si tu veux le calcul, on va le mettre en poche. Je vais le mettre en poche. On va moins 1 moins 2, il y a moins 1 sur e au carré. On va 1 sur 2 au carré. Moins 2 sur 9, 9 ou 2. Ça n'a pas rien moins 1 sur. Donc, c'est bien f de 1 qui est positif, f de 1 au carré qui est négatif. Donc, f de 1 multiplié par f de. F de 1 au carré fois f de 1 sur e au carré. Fois 1 demi négatif et f est strictement croissant d'arrêt et atteindre montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique mais quand on est unique quand je dis
La monotonie, elle est strictement croissante ou strictement décroissante. F est strictement, strictement croissante. Sur Johanna. Sur 1 sur E au carré. Hein? Ah ouais, là strictement croissante, et strictement croissante sur R. Sur 0 plus infini, on a 1 sur E au carré. On a 1 là, et donc on a strictement croissante. Donc, je vais garder les conditions pour celle. F, continue. Alors, les conditions du théorème de valeur intermédiaire. F, continue. Sur 0, sur 1, sur E au carré, pardon. 1. Et F de 1 sur E au carré. Ou F de 1. Négatif. Deuxième condition. Mais quand on regarde les deux conditions, qu'est-ce qu'on a? L'équation f de x égale à 0, peut-être qu'on a au moins une racine, une racine ou la 2 ou la 3, au moins 1, 1 hein, ou plus. Voilà qu'il est strictement croissante, et f est strictement croissante. Donc, l'équation. L'équation. F de x est égal à 0. Donc, tu vois la net. Admet une solution unique. Alpha. Tel que. Alpha compris entre 1 sur E au carré et 1. Le théorème de valeur intermédiaire. Puis maintenant, on montre que l'équation f de x est égale à 0 admet au moins ou admet une solution unique. Tu crois le théorème de valeur intermédiaire. Le théorème de valeur intermédiaire des conditions d'erreur. Parce qu'on continue. Parce qu'on f de a fois f de b négatif. D'accord? Il est quand on regarde les deux conditions, l'équation admet au moins une solution. Il est dans l'équation strictement monotone qui veut dire la solution est unique. D'accord? Maintenant, on a la question. Montrer que ln de f est égal à chez R. ولكن si je fais un tableau de variation à l'âge, et vous voyez qu'il y a une autre fonction croissante ou décroissante. Je vais vous dire la question, l'autre question. Je vais vous dire que c'est ça. Je vais vous dire que c'est ça. Je vais vous dire la question, c'est la question numéro B. B, montrons que. Montrons que. Ln de alpha est égal à, je pense, moins, c'est moins alpha au carré, moins 2 sur quelque chose, sur 2. Ok? On a, j'admets l'équation f de x est égal à 0, on a la solution, je n'ai la solution d'elle, il y a alpha. Est-ce que tu as une solution, il y a alpha, yani f de alpha est égal à 0. Donc, f de alpha est égal à 0, je n'ai f de alpha. F de x est réel. Je vais avoir f de alpha, tu connais alpha sur 2. Plus 1. Plus ln de alpha. Sur 2 est égal à 0. Comme nous avons donc. Pardon, pardon. Qu'est-ce que vous savez? Donc. طبعا حنا اش باغين باغين ال ان دو الفا ايكال اذا خصنا ال ان دو الفا نجدوها هو عندنا هنا اذا اون فاليدو او مام دينوميناتور هنا اتونسيون سي الفا سي اون اف دي اكس هنا ان بيس ال ان اف دي اكس هنا اكس سير 2 بليس 1 بليس ال ان دي اكس سير اكس بغينا اف دو الفا الفا سير 2 هي هنا بليس ال ان دو الفا سير الفا سي با سير 2 سير الفا اوكي دابا اش باغين باغي حنا ال ان دو الفا اذا من ناقص نجبدو ال ان دو الفا ريدو اون ديرومانتور
Et d'atteindre donc alpha au carré plus 2 facteur de 1 plus R1 de alpha sur 2 alpha qui égale à 0. Alors, on va dans le maquame. Alpha au carré plus 2 facteur de 1 plus R1 de alpha sur 2 alpha qui égale à 0. D'accord? Donc, alpha au carré plus 2 plus 2 L1 de alpha sur 2 alpha est égal à 0. Abna A à la B est égal à 0 va équivaut à A est égal à 0. Il dit B à 9 dénominateurs, il dit B différent de 0. Et dans la brigade, c'est au 0 équivaut donc là, équivaut donc alpha au carré plus 2 plus L1 de alpha fois plus 2 L1. Alors, on joue L1 de alpha, donc, dis-moi donc, on joue avec l'aide de L1 de alpha, est égal à moins alpha au carré, moins 2, donc, la dernière question, L1 de alpha est égal à moins alpha au carré, moins 2 sur 2. Ça me donne l'aide, je vais ça me donne l'aide, je vais appuyer les marines. Oui. Donc maintenant la dernière question. Dans la question numéro 6, tracer la courbe CF de la fonction F. Bon, je ne sais pas si de la courbe. La courbe, c'est rien. La courbe n'est qu'à tracer. Qu'à tracer une table de variation. Table de variation qui est en train. Il y a une croissance qui est en train. Il y a une plate là. Ok? Il y a une plate là. Il y a une plate là. Il y a une plate là. إذن هنا اش كندير كنحاول غير نقرا غير الاسئله اون فلا بارتي 1 اون كونسيدر لا فونكسيون جي ديفيني بار طاطاط جي دي اكس كالكيل جي بريم بورتو اكس ابارتي 1 0 بلس انفيني دريسو طابلو فاريسيون جي اون دي دير لو سين دو جي هنا هاد لا فونكسيون جي راه غير فونكسيون اوكسيلير غير ساعدتنا باش نتيتيدو لا فونكسيون الثانيه لي مهم عندنا لا فونكسيون بارتي 2 عندنا ليميت اكس تومبر 0 بلس أبعتنا بليس لانفيني مو لانفيني باردو إذن X تقال زارو أسامتود أسامتود فيرتيكال فيرتيكال إذا ما عرفتوا ترسموا هاد لي زاسامتود في الأول ما يمكنش تنشأ الشكل على سامتود فيرتيكال ياك إذا كان X تقال زارو غدوز من هنا كان X تقال أن غدوز من الأن كان X تقال دو غدوز من دو إذا ديما كيكون فيرتيكال أنا نعطيكم كاع الحالات اللي كاين هنا يكون x تقال a بحال هكا هو x تقال a بمعنى a امتى غادي يكون عندنا بحال هكا اذا كان ليميت ادروات ديال f كيساوي لنا بليس لانفيني يعني x سابروش دو a بليس f دو x كتكون بليس لانفيني امتى غادي يكون هنا اذا كان ليميت ادروات بيان سور هو موان لانفيني إذا x approach دو a بليس يعني x كبر من a و f دو x كتكون نيجاتيف يقدر يكون هنا شي من حالة إذا كان a موان a موان ولكن شحال كتعطينا a موان كتعطينا بليس لانفيني بليس لانفيني بو هادو غادي نديرو ليهم درس بوحدهم راه ديرو بالعربية باقي ليا غير الضيوف هنا شي من حالة اللي ليميت a موان و موان لانفيني اوكي في ربعة الحالات حنا اش عندنا عندنا x تنفر 0 بليس كتعطينا موال انفيني ها 0 بليس موال انفيني اذا غادي يكون من هنا ضروري غادي يكون اذا ما رسمتوش هادو ما يمكنش ترسمو باش اوكي عندنا ثاني ليميت بليس انفيني هو بليس انفيني لقينا ممكن ليميت بليس انفيني هو بليس انفيني وعندنا y تيكالا x سور 2 لي كاستيونير عطاونا عندنا y تيكالا x سور 2 اسامتود اوبليك بيان سور هادي ستين دروات اوبليك لا بغينا نمشيو ان دروات خصنا دو بوان ناخذو مثلا اكس تيكالا اللي بغينا نلقاو في كراك اخذنا اكس تيكالا زارو كراك تا هو زارو ديال لو بوان الاولى اللي كيمرو منو هذا زارو زارو هنا البوان الثاني نقدر ناخذ ان هنا مزيان اكس تيكالا ان كراك هو ان دومي اذا ان ان دومي ان ان دومي هو هذا هذه هي لا دروات دالتا
Les poissons grillés à l'huître à droite de la pâte. Voilà. Tigre, c'est égal à x sur 2. On dirait à droite delta tigre. On a asymptote fine. Asymptote, distance fine. Est-ce qu'il y a asymptote, distance fine? Il y a une imma qui est arrivée là, ou là qui est arrivée là. Deux, je suis. Imma de fort, imma fit. D'accord. Voilà qui nous a déjà donné un CF, la position de CF par rapport à delta. C'est le CF. Mais bien. CF ou delta qui est quand on fait une note là, 1 moins 1 de 1 moins 1 sur 2. Alors, on va faire 1 moins 1, non, 1 moins 1, pardon. 1 moins 1, il y a 0,37. Voilà, on en a. Ok, 1 moins 1. L'image de là. هيا هادو فين غادي تقاطع السي اف مع هادو روات داتا من 0 ل 1 موانز 1 السي اف تحت داتا اذا هنا تحت السي اف تحت ومن بعد غادي يعود فوق اوكي اذا اش غنديرو هنا عندنا طالعه مره واحده اذا ني غادي يبدا معنا غادي يطلع وصل لهنا من بعد غادي يطلع ديما طالع ولكن اسامبتود ورا ديما خواصون اسامبتود يعني غادي تشيل هاد النقطة اللي مكانتش تكون من التحت علاش حيت السي اف صناه فوق دلتا يعني او دوسي دو دلتا غادي يمشي بحال هكا لان هذا هو الشكل اذا الشكل اون جينيرال لاكور ما تخافوش منها لاكور كتنشأ من جوج حوايج من طابلو دو فارياسيون اذا كان مثلا بحال هكا هذه راه كتعني نازلة طالعة دي كواسونت كواسونت هذه كتعطيني طالعة ومنين كتنشأ ثاني من لي زاسامطود لي زاسامطود بالعربية هما المقاربة يعني فين كتقرب هنا راه كتقرب هاد المستقيم هو اللي اسامطود فيرتيكال وهنا اسامطود اوبليك يلاه تنعاودهم ميرسي بيان